Et voilà la musique, la salsa ce soir, non pas salsa ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous ceux qui écoutent RCK Caribbean King. J'ai sur le plateau ce soir Jean-Luc Duvial qui va nous parler créole natal PIA, parce que nous aimons ça, parce que créole c'est à nous, puisque nous, traduction à langue créole que nous peut-être mettez quelques syllabes, au pluriel, qu'on aura dit, à l'indicatif passé composé, et puis même au passé de, comment on dirait ça, au conjugaison. Il est sur le bateau avec moi ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous ceux qui écoutent RCK, vous savez que RCK, c'est la totale, on fait d'une façon surprise, hein. Ils sont dans la Guadeloupe, et puis, on va jouer Cristal, on va jouer Dan Grande, on va jouer très TG longtemps, puis on ne va oublier ça, hein. Qui j'aime de dire tel mot, qui j'aime de parler de tel mot que la maman de Gazino, c'est français pour parler de la base là. Mais pas beaucoup, hein, mais heureusement, nous ne devons pas aller, les amis, à nous, l'école, à la cour l'école, et nous savons qui j'aime pour nous parler créole. Il est sur le plateau, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il va se présenter à l'instant même. C'est Jean-Luc Duvial, il est avec moi, il a dit bonsoir. Comment fait-il mal? Bien bonsoir, tout le monde qui a écouté nous, tout le monde de la communauté là, qui a pointé les oreilles à nous. Et puis, quand vous voyez bonsoir aussi, comme nous assis au web là, pas 10 jours, pas 10 jours, 8. C'est bien et bien, je le mets. Petit bonsoir, petit bonjour. Alors, oui, en ce Jean-Luc Duvial. Alors, sans le monde connaître Madame Musique, mais ça, on le monde pas ça, c'est qu'il y a un monde aussi qui a fait recherche assis en le domaine, et domaine à langue, si c'est pour nous parler, dit ça qui amène ici, Simène Lassa. Et en maquillant en livre, non, c'est Wuchikam, d'origine égyptienne. Mais avant de quand même nous rentrer dans sa rentrée, dans Nana habité là, j'en dis parce que vous savez quand même, vous venez en Guadeloupe, vous sortez de Guadeloupe, vous venez des passages, parce que nous, on va bâtir des rêves. Et donc, c'est pas pour résidence quand même, parce que le monde est petit. C'est comme ça la vie. La vie, et puis, un frère me dit, mais, tu sais, il y a un pote qui pourra te faire passer chez la radio pour parler ce soir. Et donc, nous sommes en train de débattre tout à l'heure. Donc, pour qui raison, quand même, qu'est-ce qu'on a? Nous avons fait un petit briefing de musique, mais nous avons fait une inspiration, nous avons revenu sur ça? C'est qu'on voulait. Bah alors, nous avons fait un petit briefing de musique. Tous ceux qui écoutent RCK Caribbean King sur le Facebook Live, vous êtes avec Francisco ce soir, et nous serons en direct depuis la Martinique à partir d'une heure du matin, avec, il sera 19h du côté de la Martinique, avec Max de la radio RRDM. Et pour ce soir, nous sommes avec Jean-Luc Duvial, qui n'est pas une créole, qui Jean créole rivé, qui Jean ne pas les créoles, parce qu'ils ont l'aumône, qui a un genre, fait comprendre qu'il n'y a pas les créoles. Il n'y a pas envie de parler créole, il n'y a pas créole là, parce que créole, ce n'est pas en menace. Créole, c'est en culture et c'est en langue. Tous ceux qui sont sur le Facebook Live direct, bonsoir à vous tous, avec Francisco. La Roland Salsa, la musique, officiellement, ça aussi qu'a parlé créole, mais qu'a parlé espagnol, nous côté de la Caraïbe, nous côté île, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, tout ça qui est aussi en culture, que nous devons être partagés. Et Jean-Luc qui va nous partager ça au soir là, et qui va nous toutes les fonctionnements de la langue créole. Donc Jean-Luc, on reprend la sauce, hein, pour nous reprendre sur ça. Quand nous avons fait, nous commencer des balles en créole, nous quoi commencer. Non, c'est-à-dire que déjà on va des balles en créole, donc nous quoi rentrer en créole là. Oui. Donc, présente-toi Jean-Luc, et pour quelle raison tu es ici, dans la région parisienne, tu as fait quoi et tu es venu pour quelle mission? Bon, alors, si c'est pour en parler de moi, alors ce qu'on t'a dit, il y a un café où je cherche assez original en nous, parce que ça c'est ton questionnement pour moi depuis longtemps, on t'a dit ça, pour s'en battre d'accord avec théorie qui a avancé. Et en arrivé ici Paris le 28, passant Vin Bayon des conférences pour présenter, comme c'était moi, qui était moi langue en nous, hein. Langue créole là-même. Célébrer langue en nous, donc là, il y a créé créole là. Alors, sans Vini, et ça fait moins descendre piété en piété Paris, en descendre Bordeaux. À Bordeaux. En font conférence les soirs là, et en virer le Bercotti, en font conférence à Paris. Ah, donc, on libre yoga qui est Tamerice Matawi, qui
en 10e arrondissement Paris, 19 rue du Chalet. Donc, mais là, vous êtes à Bordeaux. Est-ce que vous sentiez quand même à l'aise quand vous trouvez une vie bordelais, qui francisait Guadeloupe, Martinique, Réunionnais, et que vous sentiez à l'aise, sentiez comme si vous venez partager vos moments créoles, ça, et vous sentiez à l'aise de dire que vous. Ou pas dépaysé quand même. Alors, racontez-nous ça, dis-moi. Eh ben, moi, c'est un plaisir partagé. Toujours, hein, l'enca voyager pour faire présentation, c'est toujours un plaisir. Et là, au cas vrai, sans qu'à présenter là, travailler l'enca présenter là, pas qu'à mettre pas mon à côté. Donc, là, au monde qui vient dans la conférence en moi, qui est haïtien, qui est guadeloupéen, qui est martiniquais, qui est guyanais, qui est Simon Rodrigue, Seychelles, Maurice, La Réunion, Louisiane, Trinidad. Le arrivé là, on a trouvé où ni place là. Oui, mais place là, quand on là, est-ce que son place quand même, qu'on a senti quand même que on faculté de comprendre que yo pas perdu, on vit quand même, savent en qui sens qu'on veut faire connaître la langue créole. Non, mais en fou ça, ça veut dire que nous avons fait histoire nous. Et depuis qu'on a parlé de histoire, ça a touché nous. Et puis, tout le monde n'a pas capacité pour comprendre ça, puisqu'on l'a dans nos capacités d'emploi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet, si nous avons qui fait ici, et qui ne peut pas connaître Jean-Pierre Latéier, Jean, les grands-papas, les grands-mamans, qui ont parlé, et bien, ça permet de retrouver Tibouin patrimoine à yo, à Kilti à yo. C'est ça qui est intéressant. Donc, mais quand ils viennent quand même dans recherche, de chercher quand même pour faire moins comprendre. Que créole vient de quoi et créole vient de comment que je dis je ne crois pas les créoles et nous avons envie qu'on ait aussi quelques mots en créole que nous devons être aussi qu'à prononcer de savoir que dès là nous sortis par rapport à un petit peu la hiérarchie de tout ce que nous croyons parce que les Européens ils mettaient l'Europe donc l'Europe vient dans le sens que tout le monde fait peut-être envie aussi à dans le sens pas les créoles donc faut qu'expliquer tout ça oui alors si c'est pour parler de ça, on nous dit de tout ça. Ça qui vient de nous faire travailler, ça, c'est pas ça partie d'accord avec théorie qui a avancé. Parce qu'on va dire langue en créole. Et en créole, c'est un monde qui fait, un monde qui sorti par bord l'Europe, en temps à colonisation, en temps à les colonies, en temps à l'esclavage, et qui fait à dans ça, il a créé les possessions françaises d'exploitation sucrière. Donc, c'est ça qui est en créole. Et là, quand on dit langue, c'est créole, ça veut dire que c'est eux qui mènent les langues là. Donc, dans l'exploitation sucrière là. C'est où tu as planté quand tu as fait sucre. C'est dans côté les plantations, les terres, la France tenue, en dehors, les gens qui ont planté quand on l'air, tu as fait quand tu as fait sucre. Donc, qu'est-ce que tu dis comme mot créole qu'on peut être supposé qu'on peut entendre que je dis joue, que nous tous avons envie qu'on ait. Alors, je vais dire, ça simple. En que commencer par parler de ça, nous ne pas te connaître. Laissons cet homme. Travailler en fait là, permettez-moi prouver qu'il langue de son langue africaine. Et son langue africaine qui adoptait le mot français par force. Parce que je trouvais à d'autres domaines, comme tu as une pression coloniale, tu as une pression assez esclavagiste là, je t'ai obligé à adopter des mots français. Et ces mots français là, ça petit à petit remplacer les mots africains. Mais en cet temps-là, ils arrivaient avec une langue qui s'est descendant à la langue égyptienne. Donc, et quand ils arrivaient dans la langue égyptienne là, et dans la langue africaine là, qui est nous-mêmes sortis, parce qu'il ne faut pas nous parler. Alors, des exemples, un mot égyptien t'es qu'à dit, et qui nous a servi avec toujours. Et qui vient aussi en parenthèse avec la langue française. Si grand-maman t'es qu'à vient, par exemple, qu'à un petit mango, et qu'à dit, petit à maman, mi, et bien, faut ça aussi, mi là, ça, et bien, ça sortit depuis l'Égypte. Là, on voit des trois bouquins contre au bon bivet, il y a un pont la goutte. Il y a un peu dit par exemple, pour pas pour bête, ou pas pour graine, ou pas pour la goutte. Eh bien, qui point commun tous ces bites là, ça n'y est. Eh bien, toutes ces gouttes, c'est la goutte. Parce que la goutte, son goutte de l'eau, graine, son graine. Son bivet de rapoussé. Voilà. Ouais. La goutte là, son graine de l'eau, d'accord. Graine là, son graine. Et bête, eh bien, c'est comme ça, égyptien ancien, tu as nommé graine. Graines nous t'es qu'à planter pour en terre pour faire manger pousser. Donc on va voir ces mots là ça. Par exemple si moun ka cherché origine d'un mot ish par exemple qui veut dire timon en Martinique, et eh bien c'est là où que tu veilles. Si vous cherchez par exemple
Là, on attend mon cadeau. Une chanson qui a dit comme ça, Congo qui a parlé Wani Wana. Mais Wani Wana, ça veut dire manger. Manger, ouais. Et donc, tous ces mots-là, ça, on a trouvé depuis l'Égyptien ancien. Et puis, fort savent qu'il y a des mots qu'il a depuis la préhistoire. La préhistoire, ça veut dire que depuis longtemps l'Égypte. Avant l'Égypte. Avant l'Égypte, avant l'Égypte. Avant l'Égypte. Ouais. Parce que c'est la natie qui a appris le monde à parler. Ouais. Là, vous voyez, les premiers noms massifs, là, qui a coûté à l'entoyeur, il y a eu une branche qui a cassé. Yo ka essayer refaire son lever bouche à yo. Yo ka tande vent ka vanter, yo ka essayer refaire son lever bouche à yo. Et ben ni 10 premiers sons comme ça, yo fait avec bouche à yo et yo mélanger ces sons là ça petit à petit et c'est ça qui fait l'anglais vienne vienne développer vienne en complexe. Donc, ils ne sont pas coupés, on est en mot qu'on dit moi tout à l'heure, et que dis-moi, ça sortit de l'Égypte par rapport au mot français que la langue française vient arriver oui, et qu'il y a un mélange. Ça, là. Oui, parce que faut savoir que Jean-Lame égyptien a marqué là, il a marqué langue africaine. Et c'est des langues qui. Langue africaine, c'est des langues qui sont anciennes, anciennes. Là, on parle de Kikongo, Lingala, c'est Swahili, c'est des langues qui sont plus anciennes même que langue à l'Égypte. Donc, on peut retrouver Ébitien là. Donc, par exemple, ni des mots, nous avons pensé ces mots-là, ça, parce que ça, pour y expliquer tout ça, il y a quand même créé un paquet de légendes. Par exemple, si nous avons parlé d'un mot, tout le monde connaît qui c'est le mot Mako, il y a qui dit, ah oui, c'était un gérant, non, c'était Mako, il était capable de faire une faveur, il y a eu une Mako, en langue égyptienne, Maha, ça veut dire voué. Et Mako, ça veut dire, ou ka voué moué, ou ka gade moué, ou ka veille ça en café. Ou ça qu'on fait, ouais. D'accord? Donc, et ça veut dire aussi, ça n'y a des sens parce que ça va casse en nous, il peut crier en moun Mako parce qu'il ka veille en moun, mais il peut crier en moun Mako aussi parce qu'il ka ba forme l'argent, et il ka ba yon l'eau faveur, mais il ka espérer ces formes là qui ba y faveur, mais il ba yon kanye aye. D'accord? Et bien, il y a des sens parce que Mak, c'est aussi en langue égyptienne, c'est. Un monde qui a protégé, un monde qui a l'argent, un monde qui a le pouvoir, un notable et qui peut protéger le monde, qui peut faire une faveur. En fait, donc, ni les deux sens. Ni les deux sens. Bon, et là, vous avez des conjugaisons à la langue égyptienne, par exemple. Les mondes, par exemple, par bon matin, qui a dit, par exemple, pour exprimer un bité, il a dit, ah, en c'est l'effet tel bitin, en tel l'effet bitin. Et bien, ça, c'est des formes grammaticales, des formes à conjugaison à l'égyptien ancien qui restaient depuis tant là ça. Donc, qui j'ai été interprété ces mots-là, ça? Eh bien, ça nous a été prononcé en Jean Ayo. Ouais, ouais. Mais, vous savez, avec le temps, il y a des voyelles qui a bougé. Et donc, c'est comme par exemple, quand vous avez ma matinique, que dit ma toutou, nous que dit ma tété. Ouais. C'est même mot-là. Même mot-là. C'est même recette-là. Mais qu'a qui changé? C'est qu'il y a dit où et nous a dit et. C'est même pareil qu'on dit qu'on a et qu'il y a Martinique, qu'on a dit Tien Maï, nous a dit Timoun en nous. Oui, voilà. Timoun là. Oui, mais ça sortit à dans la langue africaine aussi parce que. Dans la langue française, pas ni abstraction. Ouais. Donc, pas ni le projet, jusqu'à présent, le projet trouve un mot pour désigner, pas ni un mot pour dire l'être humain, mais à cause de nous, c'est moun, bantu, moun. D'accord? Et c'est ça nous garder. Ouais. Là, nous avons dit, nous, c'est moun, ouais. Et bien, c'est ça sortir dans le fin fond. Qui moun, ou c'est qui moun? Voilà. On dit, ou c'est qui moun, ou et donc, c'est tout ça. Et donc, là, on va analyser grammaire à la langue égyptienne, quand vrai, c'est souche à langue en nous. Ouais. Et c'est souche à tout Jean Moun qui a parlé l'anglais ou qui a créé créole là dans le monde. Et c'est démonstratif à la langue égyptienne qui a servi. Par exemple, si c'est pour parler de ça, qui a créé en langue française, les possessifs, et bien par exemple, c'est les démonstratifs à la langue égyptienne qui a servi. Qui Jean Moun qui a créé et possessif à dans la langue en nous, et bien on a pris un démonstratif et on a mis un pronom personnel derrière. Par exemple, pronom possessif là, c'est ta ou tant. Et donc, on va mettre pour nos personnels là, moins, tant moins, ça veut dire le mien, le mien en français. Ouais, ouais. Bon, eh bien, on a trois grands pronoms possessifs à langue égyptienne, nous avons servi avec juste à présent, c'est pour, pas, ta. Bon, alors, sans nous garder pour. Eh bien, Guyane, par exemple, pour y dire tant moins, il y a dit pour mot. D'accord? Ouais. Maurice, même bitin, il y a dit pour mot. Louisiane, il y a dit pour mot. D'accord? Bon, pas, si nous gardons pas, eh bien, en Haïti, il y a dit pam non. Voilà. État, c'est Talan qui a servi là, Matinique qui a dit ta moins et nous qui a dit tant moins. Donc c'est à six bases là, ça, toute langue là qui a démultiplié dans le monde. Donc et ça qui fait que nous là, nous a dit 6-0 là. 6-0 là. Et Haïti a dit chita. Chita la caille. Ça veut dire 6-0. 6-0, ouais. Chita la caille. Et dans langue africaine, chiti, ça veut dire
ces chaises-là, ces sièges-là, là, au cassisé-là, et Chiti, ça veut dire cisé. Mais dans le monde africain, par exemple, et quand vous racine là, qui a connecté vers l'Égypte, eh bien, dans le monde africain, on peut dire aussi si ou dissiser, et quand nous avons dit, nous pas dit sissite, nous avons juste doublé son. Oui. Et ni des mots, nous ne comprenons pas ces mots français. Et ni des mots qu'on ne dit là, sans pas couper, ni des mots qu'on a oublié, que nous avons dit avant. Sissite là, par exemple, là où on voulait dire un mot, on a dit, par exemple, dans le temps, on a dit, on a akaba. Ouais. Ça disparaît. Ça dit quoi, et pourtant, dans l'Égyptien ancien, on a vrai, akaba, c'est mort. Décédé, ça veut dire. Et en plus de ça, symbole là, ce que Black a servi avec la pour maquiller là, eh bien, il a mis un monde exposé à son couche et il a mis un vase avec de l'eau. Eh bien, le monde pas rendu compte, mais là, quand il y a dans un veillé ou quand il y a dans un salon funéraire là, eh bien, ils ont remplacé vase là, ça, et vont bénitier. Donc, ça a été fait pour jeter un petit goût de l'eau. Toujours ça, vous ne pouvez pas vider pour ça que j'allais, pour on la goûte. Et bien, ces gestes-là, ça a été fait avec de l'eau. Et bien, jusqu'à présent, ça restait à notre tradition. Ouais, ouais. Donc, nous avons et puis, pour ça, sans pas être d'accord avec la théorie assez originale langue en nous, c'est que nous avons dit que l'anglais ni français, espagnol, anglais, portugais, amérindien, Adam et des trois traces africaines. Mais pour moun pas songer, chercher Adam et vérifier ça et aller garder quelle langue africaine qu'a dit. Et ce travail-là, ça c'est ça en fait. Ouais. Et là on fait ça, on a dit, mais c'est blagamas. Ouais. Plus que 80% de langue là, c'est langue africaine. Et nous logique qui a fait, Jean Moun, par exemple, il a prend mot français là pour mettre Adam langue là. Par exemple, si vous, et puis il faut nous questionner et histoire à l'Égypte, les mythes à l'Égypte pour nous faire ça comprendre. Si vous voulez comprendre qui ont l'un, qui ont un groupe et vous pas questionner mythes à l'Égypte pour péger un comprendre. Pour qu'il y ait un groupe poil. Eh bien, parce Adam langue égyptien, ni des mots, et Adam langue africain aussi, ni des mots qui a prononcé même gens, mais qui voulait dire des butins différents, qui a nommé des butins différents. Alors, par exemple, pour dire plairé, pour nommer poêle, et pour nommer on madame qui a plairé en l'eau, on veuve qui a plairé au de l'eau, et bien, on a prononcé ces mots-là, même gens. Et c'est pour qui, bitain, les ancêtres en nous ont dit gros poêle, et bien, il n'y a pas poêle là, il a nommé. En tête à eux, c'est plairé. Plairé gros de l'eau. C'est comme ça. Donc, c'est ça. C'est ça qui a mené ça. Et là, nous avons dit gros poêle, ça n'a pas ni rien. Gros, pas ni rien à vous, vers français. En langue basse, gros, c'est poêle. Ouais. Donc là, on a dit gros poêle, on a dit poêle, poêle. Et il y a un long mot comme ça dans langue andou. Ouais. C'est ça aussi en montrer. C'est qu'il y a un long mot comme ça. C'est-à-dire que les chocs là fait entre ces Européens-là et ces Africains-là, eh bien, les Africains-là commencent à construire des mots. En cas qu'il y ait ça, syntaxe miroir, ce qui veut dire. En mot, en expression, qui n'y a deux mots, en mot français, en mot dans la langue africaine, mais qui veut dire, tous les deux veulent dire, même bitel là. Mais donc, en un bon exemple, là, on a dit tomber, blip, blip, ça veut dire tomber. Là, on a dit madou, si ou, madou, ça veut dire douci. Là, on a dit, par exemple, tousser, kehek, kehek. Mais kehek, kehek, en égyptien ancien, ça veut dire tousser. Bon, là, on a dit. Justement, quand on a dit là, il y a des mots que les parents nous ont dit, tu connais tousser, kehek, kehek. Voilà. Tu connais tousser, cocher, en bacaz. Quand je crois que tu en bacaz. Ouais. On peut parler de one-on-one. Tout ça, c'est des syntaxes miroirs. C'est-à-dire, c'est des mots. Qui d'expression qui ni des mots à des langues différentes mais ils chaque veut dire même qu'elle a là on a dit à tout forme par exemple et ben à tout c'est non à forme bon et ni un autre bit phénomène encore à dans langue africaine on dit ni des mots qui toujours qu'à prononcer même genre non à pour nommer forme non pour nommer quai mi-temps centre et non pour nommer pain ska son les mêmes genre et ben quand je pendant les années 80, c'est comme ça que j'ai créé ces jeunes filles-là. Et bien, ça sont des gens qui inscrits à dans le gène en nous depuis longtemps et qui n'ont pas qu'à disparaître. Voilà, associés, bas madame non à pain, parce que, par exemple, en langue africaine, on dit moukati pour dire femme, moukadi pour dire pain, et moukati pour dire. Mi-ke, mi-temps, centre. C'est même mot-là. Même mot-là. D'accord? Et c'est ça qui fait, par exemple, Matinique, où il y a dit la chou.
Mais quand ils ont chou à la crème, son pain sucré. Donc, on voit toujours qu'on reste dans le même registre. Et là, on a crié, on a dit forme poto-mitan. On voit qu'un mitan centre, c'est on gens pour nommer madame. Là, on a dit mon cœur, par exemple, on a dit madame, mon cœur. Eh bien, c'est une relation là, ça qui passait, même dans langue française, qui passait aussi. C'est-à-dire, c'est des associations. Et même les anciens qui ont créé ces formes-là, gaz, braise, c'est non à peine dans langue africaine. Oui, tout ça. Donc je serai là, donc nous faisons un petit briefing de faire connaître aussi qu'il soit dans deux passages quand même. Deux passages dans quelques mots quand même, ou bon, nous quelques phrases à prononcer, quelques mots créoles qui t'a aussi chapé nous. Juste maintenant, nous avons constaté qu'avec la modernisation, que sortie du toilet là, qu'à présent, que, ou peut-être même crier anti-madame, même si t'en arrives là. Ben oui, donc ça veut dire que est-ce qu'on a trouvé quand même que nous obligés revenir en style ancien, nous quand même, pour quand même que nous pas occuper de ça que vous mettez en place, parce que si vous parlez en madame à présent, que vous vedrez en créole, c'est considéré que son tentation à raciale, que vous savez que aucun agent fait en agression. Qui mot que tu as envie, qui parce qu'on voit madame même qu'à comprendre dans ça, parce que quand dit pas mon père pas venir parler bon nous encore, mais ça nous fait pour une relation, il y en a l'autre. Donc ou d'accord ou pas d'accord, mais nous fait pour une relation. Si ça coupe, eh ben tout bite est mort. Ouais. Et c'est madame qui a mené dans la vie. Donc, mais en bitant sur une des cavaliers de Zalais, avant que l'émission ait commencé, et avant quand même, quel que soit un mot en français ou qu'a sorti devant madame, forcément on leur dit un mot en français, est-ce qu'il puis adouci? Et qu'en l'ancrant en nous, que quoi dit mon doudou, ça va bien, t'es bien en vie, au soir. Oui, mais ça, c'est des complexes, il faut y être en nous. Mais langue en nous, en cas de ça qui est important, c'est de découvrir que langue en nous, c'est une langue comme toute langue. Mais juste. Une grammaire, une étymologie, parce qu'à présent, par exemple, on peut expliquer un mot. J'en dis, joue, par exemple, si on a dit Adam, c'est dicté. À présent, ça, il y a un petit monde, c'est lit et écrit l'anglais, aïpron dicté. Mais j'en dis, joue. Sans qu'à montrer mon, c'est que l'anglais sont langue comme toute langue, ou peut montrer étymologie à un mot, ou peut montrer grammaire à un mot, ou peut montrer qui forme la conjugaison qui a dans la phrase. Donc je dis, je voulais, les moyens qu'à organiser en dictée, et bien nous qu'à faire un travail complet et nous peut juste expliquer des expressions au laïo sorti avec qui mythe à l'Afrique. Qui compte à l'Afrique, qui a raconté l'histoire là, ça qui a permis de comprendre philosophie à l'anglais. Et c'est là nous avons. Donc, je dis, nous avons amplifié le travail là, parce que si nous restons qu'à lire et écrire seulement, on l'est, et bien, pays restez pas en côté, nous avons appris si nous avons l'anglais, parce que dit, oh, on a déjà fait le tour de la question, ça tourne en rond. Mais non, nous pas qu'à tourner en rond. Mais de toute façon, nous avons sorti là, c'est créole là. Créole là, mais on l'a bitté. Il y a une dimension. Et avait, avant, j'étais quand même comme ça, pas parler l'anglais, parce que. Ou PKP apprend à parler français, ça qui est coréen. Et bien, moi, quand j'ai montré mon, qui depuis un petit monde, langue en nous, c'est base à son base qui est ancien. Et donc, si on apprend si on a base ancienne et qui se base ancienne à toute langue, et bien, si on peut apprendre n'importe quelle langue dans le monde, elles vont vitesse. Et il peut apprendre science, il peut apprendre mathématiques, il peut apprendre astrophysique, il peut apprendre toute bitaire, parce qu'il y a une dimension mathématique dans langue en nous, il y a une dimension mathématique binaire. Et quand il est binaire, et bien, c'est code là, il y a. Qui va permettre de nous faire langage informatique, faire ordinateur tourner. Ça, dans l'angle de nous aussi. Vous comprenez? Bon, nous pouvons faire étymologie. Un bon exemple, par exemple, vous pouvez dire un petit monde, ou quand vous dictez, ou quand vous marquez, par exemple, tenions coquignol en la couleur. Et vous pouvez dire, si vous avez expliqué qu'il y a un coquignol. Alors, par exemple, je dis, je veux dire, un coquignol, c'est un coq à cou nu. Oui, mais pour qui vite expliquer. Eh bien, Adam, langue en nous, quand on nous compare. En plus, on va vous sortir dans coca connu. Hein? Coca connu. Donc, oui, donc, dans le mot au créole, aussi, connu, ni. Ça aussi, ça a expliqué. Mais bon, on peut qu'il rentre à l'aide, parce que ça qui prend du temps. Eh bien, co, c'est racine pour nommer toute bête qu'a voulu. Qui, c'est cou, c'est gorge, c'est langue, c'est bouche, c'est parole. Et gnol, gnoka, c'est serpent. D'accord? Donc, quand il y a un coquignol, son zozio,
qui a volé, qui a lisse qu'on pourrait se faire pas. Donc, quand on va nous pire rentrer dans d'autres dimensions, par exemple. Quand il y a un cajou, eh bien, cajou, moi là pour dire cajou là, là en langue, il faut qu'on essaye un quai. Ouais. Et quand là où tu es là en bas, et quand tu regardes un cajou où tu es là, eh bien, ça mon quai. Ouais. Bon, cachiment, eh bien, cachi, c'est non à quai aussi. Okay, ouais, moi, ouais. Ça veut dire. Mais cachiment, cachiment, même son fruit. Son fruit ancien. Bon, eh bien, cachiment, moi, ça veut dire qui fait, qui ni forme à. Qui fait con, donc en cachiment, c'est un fruit qui fait con, qui n'y forme en quai. Donc, au cas vrai, nous pouvons rentrer dans la dimension à langue là, nous pouvons expliquer en l'obitaine. Et c'est ça qu'on vient de démontrer ici, et on vient de démontrer aussi sa mathématique qui origine à la langue en nous, c'est l'Égypte. Et là, vous moi, sorti passé en semaine en Égypte là, par exemple, et dire comme ça, ça en vrai, qu'a confirmé moi ça. Qui est-ce qui sait, par exemple, en Égypte, c'est flamboyant, c'est pieds sirettes. C'est banane, c'est grande. Donc, on pas démouler. C'est, bon, on vend un paquet de pieds bois. Et c'est pour la santé. Zagadi, merci. Ça plaît, Zagadi. Mais justement, Zagadi, là, normalement, son bitin qui s'appelle Tamarin, là, Zagadi, là, son bitin aussi, qui au café bon au tissoir à veille, et son bon feuille. Oui, mais notre feuille jaune, là, qui est café, là, qui a fait qu'on tiffe à fond boyant, là. Et puis, il est piquant aussi, dans Zagadi. Oui, mais c'est local levé miel. C'est dans ça qu'il y a le miel. C'est dans ça, ouais, c'est dans Sirette, ouais, ouais. Dans Tamarin, ouais. Dans Zagadi, miel là qu'a propre hier. C'est des yoka dit ça en français, ça bien lui faire. Ça veut dire, là où vous miel là, a pompé dans ces fleurs là, ça, et bien il a fait plus miel qu'il a dans d'autres fleurs. Donc ça veut dire que Criolla là qu'a rapporté dans tout ça où en Égypte. Ou vrai quand même qu'on retrouve quand même c'était au pays des c'est civilisation en cet endroit. Oh, wow. Et ça il y a qu'à cacher là il y a qu'à dire ça c'est qui même je mon gars comprend une révolution qu'a fait Evesam non sans cet endroit c'est vrai il était qu'à dominer yo pendant l'esclavage c'est vrai ça t'est c'est vrai t'es un coup de fouet c'est vrai il était pétoué c'est vrai il était fait porter toute qualité un mauvais traitement mais au fin avant civilisation yo vin avant qu'il dit qu'il était tellement puissant qu'il c'est yo qui façonnait et ça yo ka créé société créole là et ben c'est ça africain porté là on ka dit bijou créole c'est bijou africain là on ka dit robe créole robe africain et yon madame qui fait un travail comme ça en martiniquaise qui fait un travail extraordinaire c'est ça et juste montrer c'est mon ami qui genre était capable prendre en toile blanc et qui genre il était chercher à dans natif là il était chercher des feuilles à bois et pour yoter fait un tir avec pour yoter coloration faire motif bon là on va parler cuisine créole mais c'est cuisine africaine tout ça c'est un monde qui vient après ou ka, et sans certains nous créer et yo qui vient après ça yo qui mettait tampon à yo pour dire c'est créole non c'est pas yo qui créer ça parce yo peut servir avec l'angle là et ça ça masqué on bitait c'est qui à un moment donné c'est européen là qui était là c'est blanc là tout ça qui était dominé sans cet en nous dans système d'esclavage là yo trouvé yo obligé parler en langue africaine ouais. C'est ça ouais. Et yo crié l'angle là ça créole parce que c'est ça on considérait yo pas qu'à reconnaître ça ouais. Mais en réalité même gens yo pas parler de yo pas parler de créolisation non pas créolisation j'ai jamais été créolisé bon. Ouais. C'est l'africanisation de la société coloniale. Parce que dans cet endroit, pour ton culte qui était puissant, pour moi, pas jamais apprendre à faire bijoux, pour moi, pas jamais apprendre à faire travail fait, pour moi, pas jamais apprendre à quel moment pour planter manger. D'ailleurs, pour un premier bit, il fait là, c'est regarder le ciel là, il voit les étoiles en ciel là qui arrivent presque en même temps que le soleil. Les étoiles là, ça, tout le monde connaît, il a créé un gros cadeau pour qu'il bite, parce sont les étoiles qui ont toujours accompagné la lune. On y Vénus et on y d'autres étoiles importantes, non, c'est Sirius. Et bien là, regardez à quel moment Sirius a manifesté plus belle en ciel là. Et à quel moment Vénus a manifesté plus belle en ciel là. Et bien, on voit ça qu'il y a 6 mois. Qui veut dire calendrier à deux saisons là, là. Carême et l'hivernage, européen pas te connaître ça, il te connaître calendrier à 4 saisons. C'est dans 7 ans qui portait ça. Mais justement, parce qu'on va dire là, parce qu'avant, toutes les anciens te connaître toutes saisons. Quand il y a du rabot, là, c'est saison changée. Par exemple, puis il te prévoit quand même tel jour la pique est tombée, ou bien qu'il y a eu des cafés. Rappelez-moi, il y a eu des cafés, 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 il y a eu
et bassin bleu, il croit voir la ligne là, il croit dire soit je de la demain qu'il a piqué tombé ou bien Pekini la pied ou bien combien de temps Pekini la pied. Mais Jacques, je dis justement ça. Vous voyez, au coup la pied là qui passait là, l'autre jour Martinique et Guadeloupe, t'as dit un gros coup de l'eau. D'ailleurs pour une Martinique, l'eau là montait plus haut. Mais moi, en gardant la ligne là, on voit qui j'en la ligne là, on voit quand il y a l'entour la ligne là, on dit dans 15 jours nous capons un coup de l'eau. Et on coûte gros de l'eau. Et ça pas j'ai qu'à manquer. Qu'à manquer, ouais. Dans cette note, c'est ça, observer. Et on est des côtés en Guadeloupe, il y a crié Lolo ou bien Mon Lolo. Mon Lolo, ouais. Eh bien, Lolo, c'est non à étoiles. Ça veut dire, c'est un côté, il y a qu'à monter. Mon Lolo, observer les étoiles. Bon, il y a qu'à connaître Zafa Calendrier des saisons là, puisque moun pas assis en bas, moun si poitre, moun si déé, c'est marin pêché là, moun qui a planté manger, il y a qu'à dire comme ça. Gros kato ka leve 6 mois 6 l'an, mais 6 mois 6 montagne. Yot ki yote sav l'an eteni de saison. Et y a dans toute tradition, qui a kale Congo, qui a kale Dogon et tout ça, ou ka vwe se calendrier de saison. A kale Égyptien aussi, teni plusieurs calendrier, mais yon de pi important ki teni, c'est un calendrier ki teni de saison. Ou ka vwe? Et ben c'est ça aussi qui nous a découvert richesse à 16 ans 7 ans nous porter. Nous pas de tebe, nous c'est des moun qui intelligents. Et assez bas à l'angle, là, c'est des mondes qui étaient déjà dans une réflexion scientifique haut niveau, sans réflexion mathématique haut niveau, qui produit l'angle ça. À pas des mondes. Et c'est considéré, là, il y a raconté une théorie classique, là, assez originale l'angle, c'est comme si il y a considéré, mais en cet endroit, c'est des calbasses vides, c'est eux qui plaignent. Non. Et il y a dit comme ça, en plus de ça, pour expliquer, il y a dit comme ça, oui, mais c'est le monde n'a pas été connaître pas les biens, il n'y a pas été connaître. C'est le cas du bon, ouais. Non, c'est bêtise. C'est bêtise, ouais. Et il y a dit ça grave, parce que par exemple, Adam, si on parle de botanique par exemple, il y a une plante qui a créé Euphorbia iota. Euphorbia iota, c'est une plante ancêtre en nous, créé Malomé. Malomé. Et bien, c'est le monde a décrété comme quoi, ancêtre en nous, qui a mal parlé. Il n'y a pas de connaître par les Français, alors c'est mal nommé, il te l'a dit. Là, il te l'a dit mal nommé, c'est mal nommé, il te l'a dit. Et il a crié plante là mal nommé. Elles sont errées. Parce que plante là, ça, malomé, c'est ça, il a crié sécrétion, liquide séminal. Bon, en français, il a crié ça aussi, sperme. Bon, mais ça n'y a pas de ce liquide séminal là. Mais là, on casse une tige à malomé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tigé l'être. Donc ça veut dire, les ancêtres ont bien nommé plantes là. Ouais. Donc ça veut dire que quand on dit ni des noms des plantes que nos parents ont ancêtres ont été bâillés en nom et ils ont été bâillés en d'autres noms qu'on croit dans la science. Oui, parce qu'on va considérer que les ancêtres ont été bâillés, ils n'ont pas été savants, ils ont été dit, ils ont été mal parlé. Et pourtant, c'est une logique à eux et une logique scientifique. Et c'est ça aussi qui est grave. Et donc ça veut dire, nous avons le chantier qui a ouvert devant nous parce que. Il faut nous corriger un certain nombre de bitins. Ah, et il faut nous essayer de comprendre qui est logique. Là, on va au côté de nous, c'est Matouba. Eh bien, au cas vrai, Matouba n'a pas un mot gratuit. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un dit, il y a le mot amérindien, un mot amérindien. Il a toujours dit, quand ça montre moi ces mots-là. Il y a dit, ah oui, le mot koui. Non, en Égypte, tu as déjà connu le mot koui. Ouais. Si vous regardez dans la langue Nigeria, il y a connu le mot koui aussi, et c'est non à Kalbas. Non, Kalbas, ouais. Moukan, il y a connu ça aussi. C'est fait différent, ouais, Moukan, ouais. Voilà, ah. Nous avons le mot comme ça. Par exemple, quoi ton ja. Ja, c'est son baril qui est déjà. Oui, on te connaît vraiment. Déjà. Déjà. Tonneau, quoi ton tonneau. Oui, mais ça, encore, c'est des mots français. Non, il y a un métier, mais c'est. Non. C'est-à-dire que, comme ça, on te rend ces mots-là, mais c'est-à-dire qu'à l'entour, les ancêtres, quand même, ils ont fait ces bitins-là, ça depuis longtemps, pour ils ont conservé de l'eau. Mais ils ont bâillé en d'autres noms. Oui, parce que vous nommez, le premier bitin que vous faites, vous nommez Adam Langayo. Et après ça, comme les nouvelles générations qui sont arrivées, vous n'avez pas ni connexion avec l'Afrique, donc vous avez adopté moi à français là. C'est ça qui arrive. Ouais. Mais il y a des mots qui voyageaient, qui sont depuis en temps la préhistoire et qui nous ont servi avec toujours. Par exemple, original, l'homme, c'est côté, ça, vous avez créé les grands lacs, le midi là, l'équateur, là, qui a passé en Afrique. Eh bien, à dans ces lacs-là, ça, on le met de côté en pays, on a crié Malawi, on a lac et on a poisson qui a vivre à dans de l'eau-là, ça. En temps là, ça, il y a un bayon, non. Mais si on a remonté, parce que c'est là aussi, côté Burundi, c'est là le Nil qui prend naissance,
Et bien, poisson là, remonté, et arrivé juste en Égypte. En Égypte, il y a toujours le même nom là. Et les ancêtres en nous reviennent ici l'Afrique de l'Ouest. Ils ont l'Afrique de l'Ouest. Ils continuent à garder nom là. Les ont déporté pour venir à Kazanou. Les ont gardé dans de l'eau, ils ont gardé dans la rivière, ils ont gardé dans le maïs. Ils voient poisson là. Ils ont le même nom là. Son nom qui est ancien et c'est tilapia. Tilapia. Bon. Ouais. Mais en Afrique, quand on dit tilapia, nous nous avons dit tilapia. Mais c'est le même poisson là. Même poisson là. Ouais. Et Mola traverser plusieurs millénaires. Et quand je crois connaître son poisson qui est très très riche en puissant. Moun t'a arrêté de manger la pierre et à présent moun t'a viré manger la pierre parce que vous voyez chinois là, tenions en côté, tenions de l'eau, tenions un canal de capacité à l'aéroport là et moun commence à rendre compte tous les week-ends ces chinois là qui viennent la pêche. Ils disent mais quand ils viennent pêcher là, et c'est là qu'ils rendent compte ces chinois là qui viennent pêcher la pierre. Ouais, ouais. Et bien tout le monde a commencé à manger la pierre. Il y a plein là parce que normalement c'est là qui était dit ça aussi. Et là, le canal, mais toute région a ça. Du gazon, Point Beach, tout ça là. Mais oui, mais oui. Et on a dit où les débitants n'ont pas été d'accord parce qu'on a dit où l'angle l'a créé entre 16e et entre 17e et 19e siècle. On pas d'accord. Les premiers Africains qui arrivaient à Guadeloupe, pas créé, ils ont arrivé après mai 1643, le genre 17e siècle. Mais on a fait remarquer 127 ans après, l'anglais a créé. Puisqu'on dit adieu foulard, adieu madras, doudou en moins qui a parti, tout bite à l'âge là. Alors, on a vu. Tout l'anglais Jacques a fonctionné. Jacques a fonctionné, voilà. Voilà. Et 127 ans, c'est rien. 127 ans, c'est grand-maman, maman et petite, ouais. Et petits-enfants. Et qui fait que lui, quand même, a non sens que nous car obligé de parler français, mais quand même, il toujours parler de nous en créole, quand même. Dis-nous quelques mots en créole. Mais ça, oui, c'est ça, oui. Bon, on nous parlait en bitin. Il y a qu'à dire aussi, ça a créé des gros conflits à Goka. Il y a qu'à dire, ah oui, là, il a commencé à dire, qu'à là, il y a un lien d'Agevel Égypte. Il y a dit, ah, quel bitin, ça là, ça c'est. C'est bitin en nous. Blagamas, ça paraît qu'il y a un doubou, t'es bitin. Qu'à ça sorti à donc, Kao. Le chaos français, le chaos de tonneau qui bitait. Mais mes amis, le chaos là, il y a là, qui sont misis, mais sont misis égyptiens. Et nous connaissons misirei. En chaos, c'est 72 litres 64. Et ça fait pour miser les graines à bitait. Graines à céréales, qu'on blé, comme ça. Ouais. Ça a été fait pour misirer ça. Donc, chaos là, il y a là, là sont misis égyptiens. Donc, dans cet an, nous déjà connaissons cette notion là, ça. Européens, par rapport à ça. Premier butin. Et deuxièmement, là où on a fait recherche, on a rendu compte, depuis en commencement à colonisation, depuis colonisation à français, on veut dire, si la pas bon l'Afrique, eh bien, là où on a rentré, eh bien, on a commencé, les militaires qui ont occupé les musiques et tout ça, on a commencé à collecter des informations. Et là, on a rendu compte, on a témoigné depuis. En temps 1670, 1672, il y a qu'à témoigner comme quoi il y a un tambour qui sortit à cas africain, non, et c'est cas. Donc, on a vu, et ça qui ont les roses, même ça qui a touché avec des bitins profonds à l'Égypte. C'est extraordinaire, Belin aussi. Ouais. Tout. Parce qu'on n'a pas parlé de et ces domaines, on peut connaître la chanson guadeloupéenne. Mais là, on a analysé aussi par rapport à Belé, par rapport à la musique Haïti, par rapport à la musique américaine même. C'est la même connexion. Même connexion. Parce que c'est fondamental. Chaque langue n'y a ADN. C'est ça qui a prouvé que la langue n'a pas sorti dans la langue française. Hein? Chaque langue n'y a ADN qui taille. Quand il y a un ADN là, c'est ça qui a une pensée symbolique. On peut qu'à observer la nati, et c'est la nati qui a appris à lui parler, mais c'est Jean qui a observé la nati qui a développé une pensée, et qui a développé des concepts, qui a développé une philosophie. Si vous faites un pays qui n'est pas Freddy, qui n'est pas l'hiver, qui n'est pas le vrai pied, qui a fait faire chaque année, des choses comme ça, ou ni Rina, ou ni Lousse, ni tout ce qui a évité ça, vous ne pouvez pas penser la vie. Même gens qui ont monde qui ni calévé à don savane, qui ni baobab, qui ni lion, qui ni gazelle, qui ni poule qu'à chanter, tout ça. C'est pas même bité là. Ouais. Et puis à d'autres domaines là, ça,
dit manger pour tout le monde. Donc, on ne peut pas poser peut-être aux questions quand on mange. Demain, parce que ça, quelqu'un soit là où il y a, et bien, on peut manger. Alors, qu'il lève l'hiver, on arrive, on sait manger quand il y a. Et donc, on peut faire un gourmet aussi, pour que ça n'y ait un petit peu manger. Et si vous, par exemple, on peut courir un petit malheureux lapin en neige là, et vont vous camin goumé pour ce petit lapin là ça petit lapin là ou capable de tuer et ben dit bon Dieu merci parce que bah la victoire si vous là pour t'épé manger à belle parole ça veut dire c'est que Dieu dit quand il te vient trouver une qualité modèle pensée et c'est pour ça encore dans sens ça va dire là c'est dans sens ça que chaque même on n'a pas pour même zola mais sont ces origini mais oui mais vous savez c'est ça. Et c'est pour qui Peter a dans le domaine là ça, et bien madame pas ni pour valer. Alors ce qui par exemple nous sortit à dans tradition, femme sacrée, femme c'est potomitant à tout Peter. Et en plus de ça, société en nous fondée à si solidarité et partage. C'est pour qui Peter en cas vrai, à cause en nous, nous avons fait tout Peter ensemble, nous avons fait coup de main pour faire case, nous avons fait la scène ensemble. Nous avons appelé Rémo en nous ensemble, nous avons fêté Maï en nous ensemble, nous avons fêté Noël en nous ensemble. Et tout le temps, nous avons fait ensemble. Ouais. Et là, c'était pour financer, pour nous faire en l'argent. Et bien, c'est madame qui a mis ensemble. Nous avons fait Soussou, nous avons fait Kalibouka, nous avons fait Tontine. Tout le temps, c'est ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ce qui est dans l'autre mode là, à présent, eh bien, c'est débrouiller tête tard. Hein. Ouais, donc, chaque monde qui a débrouillé. Voilà. C'est pas la même vision là. Ouais. Donc, en vision comme ça, qui individualiste, ne peut pas créer équipe et son société paternaliste, ne peut pas créer en langue qui n'ont pensé matriarcale et ont pensé à solidarité et partage. Ce n'est pas possible. Mais quand nous sommes là, c'est-à-dire que nous faisons. On tire dans tout, parce que normalement, on tire dans tout, que nous l'avons dit. Et quand même, Jean-Luc Duviel, qui est de passage sur Paris. Et je suis très content quand même de te recevoir sur la radio à Saga Caribbean King. Ça fait tout l'honneur pour que tous ceux et celles qui écoutent le Facebook là, je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent parce que j'envoie des coucous. Je leur dis ce soir, on partage un petit peu le mot créole avec un connaisseur qui a cherché de savoir racine, là nous sortit. Et heureusement qu'il y a mis des moucons, Jean-Luc, pour faire connaître aussi qu'il ne faut pas que nous nous trouvions dans un monde perdu aujourd'hui, qu'il n'y a pas envie de parler langue en nous. Et là nous, qu'a trouvé nous, qu'on sortit dit, nous obligés. Fait partager et connaître aussi, fait d'autres mondes aussi respecter langue créole là, parce que c'est en nous. Oui, absolument. Et vous savez, bon Dieu, Mitin, lève-vous au cacuit, tilambi, à odirie, poire rouge, à manger le dimanche. Qu'est-ce que ça peut faire si on est à côté, quand manger moule frites? Vous comprenez? Oui. Eh bien, c'est même Mitin. Ouais. Ça, travaille là, ça, en café, et en aimé partager, parce que si vous ne voulez pas partager, tout ça, ça pède. Ouais. Ça, c'est son premier Mitin. Mais deuxièmement aussi, c'est pour Timoun, nous qui vivons ici, c'est pour tout le monde qui vivent tout d'autre côté, pour venir réconcilier avec ça, pour apprendre à mieux, apprendre à aimer la société, la civilisation, apprendre sa papa, maman, porter. Et pour là, vous voyez tout devant des gens qui viennent dire des bêtises, pour ne pas même occuper de ces gens ça. Parce que pour ne pas marcher des pieds à tout bout, pas marcher tête baissée parce qu'on connaît valeur à lui. C'est ça qui est important. Et donc, quand on a démontré au sol là, tout Guadeloupe, tout le monde qui a écouté dans le Facebook live là, quand on a démontré au sol là par rapport à l'ancréole là au sol là. Eh bien, on a montré, ça on voulait faire comprendre, c'est qu'il y a une valeur, il y a une richesse en Didan à lui, il y a une richesse à dans Kilti à lui, il y a une richesse à dans société à lui, et il faut être fier ça y a. Il faut à pas pour y blaguer devant mon nom, mais pour y apprendre à organiser yo et faire des bites parce que demain, faut nous organiser la vie. Et oui, c'est vrai, sans ça, nous subit l'esclavage, nous prenons société, mais nous pouvons rester tout le temps capriver à ces société là. Ça, faut nous organiser nous pour demain parce que demain, c'est victoire. Mais justement, mais quand tu as dit aussi, nous avons bité quand tu as envie, dit quand même avant, tu as dit que nous, tu as dit que nous, madame en créole. Ou tu es partager ti moulassa en créole éveil que nous toutes connaissons. Oui. Nous ne pouvons pas censer dire ça. On parle de moulassa qui dit. Et donc. L'idée de en veut dire. Donc, c'est dit que ça, tu voulais que dans toute recherche, tu as fait là. Ah. Est-ce que c'est toujours que nous disons, madame, nous des petits mots doux pour nous faire l'amour éveil que dit nous comme ça, que ouais, ou pas de maman qui en créole, c'est vieux mot sauvage, ou là, ça pas dit moi ça. Qui mot que vous senti que vous, que puis là, vous êtes là, pour que toute madame,
non Guadeloupe et Martinique qui sont à l'aise et que toute madame aussi Guadeloupe et Martinique réunies qui sont à l'aise pour yo accepter quand même que Marie a dit un petit mot en créole de temps en temps pour yo sentir à l'aise sans insultation parce que c'est l'autre mot en nous mais pas ni insultation à l'envie nous alors moi en qui a vous qu'a fait dans trois mots là mais justement c'est ça alors mot là ça faut vous savoir adopte nous pas bêtes nous pas des bêtes nous pas des sauvages donc nous ni douceur et nous ni l'amour dans langue nous non dans nous poétique naturellement déjà bon faut savoir ça nous pas des bêtes ni en gros philosophie qui derrière relation à Chimena qui a fait un homme et une femme sembler là là passer un pont pour transmettre la vie organe là il y a crié organe sexuel à homme là là il y a crié coq là là coq c'est un pont c'est non à bois c'est non à pont et pont là ça va permettre la vie passée en génération en d'autres qui veut dire nous qu'a dit coquer ça pas veut dire ni baiser ni forniquer ça veut dire transmettre la vie par accouplement ça c'est un bitain parce que prend conscience mais, ça mais c'est parce qu'on veut qu'on sorte mot là ça parce que là où voyez nous en carton dit madame qu'a dit ah monsieur dit rabouka comment qu'a dit moi là là et pourtant avant tu carton ça de qu'attendre avant et tout est dit et que ni en attendre des fois on vieux chien on vieux mauvais larron entend les grands parents les arrière grands parents pas te connaître pas les français pas te ca qui j'en fait qui j'en nous fait là mais justement ça parlait mais si il était cassé avec toute moyen ça pas te ca choqué pour moi et là on nous commencer à l'école et tout ça nous rentrer à dans espèce de logique nous commencer et attraper des complexes nous perd servir avec langue nous bon, en voulant venir à son mot, pour dire tout le monde qui est ici, là, il y a quelqu'un qui est nègre, il faut être fier. Pas prendre ça pour insulte. Nègre, c'est couler nous là. Couler nous là, c'est couler là, ça qui couler, qui pique complet. D'accord? Eh bien, nègre, ça veut dire complet. Complet à qui ça? Ça veut dire son monde qui est initié, son monde qui connaît, son savant. Ça veut dire qu'on a plein connaissance. Et nèg c'est non abondi. Si vous regardez par exemple en langue bambara, ça peut prendre temps pour expliquer autres ça. Mais en langue bambara, nega c'est non à la divinité lui-même. Et donc autres en image à divinité là ça. Parce pour ancêtres en nous bondi ouais. Et tout monde, toute religion copie modèle là ça. Donc on nèg c'est un savant, son monde qui connaît. Connaissez qu'a dit. Oui. Et c'est vrai que civilisation en nous, avant même l'Égypte, Ténis a été créé l'Empire africain universel. Son empire qui durait plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça pourrait jamais fait dans le monde encore après. Plusieurs dizaines de milliers d'années. Et Kilti a été tellement puissant. Les Yoka disent comme ça, et bien, il y a des gens qui sont en Afrique et qui ont découvert notre territoire. Et bien, c'est ces gens qui portaient Kilti à eux en Europe. En temps la préhistoire, l'Égypte pour là, l'Égypte pour même savent s'il est venu. Il y a un poté qui le tient à yo. Qui fait, monde qui était qu'à vivre longtemps là, ça y a juste oublié langue à yo pour y adopter langue à l'Afrique. Et ok, voit tout mot à pouvoir, en, par exemple en France, sortir dans langue africaine. Nyon lo, mot africain. Non. Bon, Bandiombitain, Louis XIV, il était une des cousins noirs, c'était Condé. Des princes de Condé. Si vous n'avez pas beau chantilly, ils ont un château là, c'était château à eux. Mais quand ils Condé, Condé, c'est non à Faucon là. À dans tradition à l'Afrique et à dans tradition à l'Égypte, Faucon là, c'est prince là, c'est roi là. D'accord? Donc, ils ont capoté non à Faucon là, ça. Qui veut dire c'est des princes. C'est pourquoi non à eux, c'est Condé, Condo. D'accord? Vous avez... Donc, vous avez... c'est pour dire que même à dans plus grande famille royale, eh bien, influence à l'Afrique là. Oui. Là, on a vu par exemple certains gens, Louis XIV était habillé avec ça, il a crié l'hermine là, une espèce de butin blanc qui lui des taches noires dedans. Eh bien, c'est pour imiter peau à léopard là, tache à léopard là, parce que dans, en temps l'Afrique, là, on voit un monde qui a porté ça, ça veut dire c'est un chef, son roi. Ouais. Justement, regardez, on voit ça dans le prince de Bel Air, là. Bougat a porté ça, et puis le prince ça, il a été le prince de Bel Air. C'était oui. Dans le film qui remonte au ça, justement, il était une peau pas le prince de Bel Air, le prince à New York. Le prince à New York, justement, le prince à New York. Oui, justement. Je sais bien, mais c'est le prince à New York. La royauté. La royauté, il me semble qu'à ça y est.
nous savons que ça y est. Nous portons en l'homité. Donc, en moins qu'à dit Timoun, là, on voit un monde qui a coincé, insulté, qui a insulté les autres, il peut reconnaître son pied intelligent. Il peut reconnaître son sorti à un peuple qui ni civilisation, qui ni connaissance. Et si les autres savent tout ça, brevet, tout ça, connaissance, tout ça, invention, les ancêtres à autres portée, et jusqu'à présent, donc à vrai, le monde entier, on ne peut pas passer sans assis des inventions, peuple à sa portée. Et pas porter pour tout seul, ni pour y faire l'argent, et quand déposer brevet, il fait pour toute l'humanité. L'humanité, ouais. C'est comme ça, mentalité ennuyée. Donc, en cas dit, l'homme qui insulte les autres, faut savoir que c'est bas autres qui a bas autres valeurs, parce qu'ils ont reconnaître, ils ont plus intelligent qui à toutes gens, parce qu'ils ont complet. Nègre, ça veut dire complet. Kem, kam, ça veut dire complet. Ouais. Et complet, a dans sens à ta là, qui ni toute connaissance là. Ouais. Toute connaissance là. Mais voilà. Comment toi, je viens parole la belle, Jean-Luc Duval. Hein? Oui, mais... comme je te dis, on a beaucoup de choses à parler. Mais c'est dommage que tu prends l'avion demain. Il faudrait quand même que... que vous rentrez et que vous reviennes après le passage encore sur Paris. Oui, après la ville, certainement, parce que l'idée association... Moi, en tout cas, sans qu'à souhaiter, c'est qui... les associations prennent contact avec moi parce que en 2020, il y a été voulu, par exemple, des associations qui d'accord, qui a, nous peut venir faire des conférences, nous peut juste venir faire des séminaires, par exemple, à si vendredi, samedi, pour Timoun nous verri ou virer apprendre qu'à Langayo, mais les grands mondes aussi, puisque vous avez découvert belle à Langayo, parole à longtemps et tout ça, nous avons travaillé à Sikilti. Et une idée association qui a commencé à répondre présent, donc nous, moi, en montant, on t'y l'a dit, non, c'est l'école Fonbois ou Tchikam à Si Guadeloupe. Et l'idée là, c'est qu'ils nous font des petits ateliers comme ça pour commencer à aider les voyous en notre gens, voir le langage en notre gens, apprendre un meilleur. Qui veut dire, ils ont démouné nous, mais nous, nous avons viré, nous avons roumouné nous, nous avons roumouné tête en nous, nous avons roumouné corps en nous, et pour nous roumouné peuple en nous. C'est bien, ça. Belle parole. Ben, de toute manière, ce sera ton retour l'année prochaine. Pour qu'on puisse revoir avec ça. De toute manière, oui. Tu seras toujours le bienvenu. On va remettre ça sur place parce que normalement, je dois te recevoir encore, même aux Antilles, pour te suivre aussi. Dès que tu seras, je serai sur des informations connectées et j'aurai pouvoir l'occasion de mettre en contact avec quelqu'un que je travaille avec lui. C'est Alain Ibal de RTK Caribbean King. Monsieur oui, Alain Ibal. Donc, effectivement, ce soir, je sais qu'il est connecté sur la radio. Il écoute RTK Caribbean King. Alain, salut. Ouais, il écoute en ce moment. Ouais. Donc, j'ai l'occasion encore que tu puisses aller le voir en Guadeloupe et continuer ce travail. Et ça sera en continuité pour qu'on puisse rester toujours soudés et pour que tu puisses revenir l'année prochaine pour nous continuer, bien sûr, aussi en collaboration avec les associations. Parce qu'en ce moment, on commence à travailler avec une association que c'est en stand-by comme du moment, je réglerai ça hors antenne. Et donc, je te ferai les coordonnées avec la personne, avec Valentin de RCK Caribbean King. Et comme ça, vous allez pouvoir faire une bonne émission encore et remettre tout le monde les pendules à l'heure pour connaître la langue créole, c'était un respect au niveau des racines en nous. Nous, c'est Nègre, Nègre Chivé Grené, Nègre Abotamboua, Jodis Nougra Criot, Nègre. Nègre. Voilà. Alors, pour finir, je remercie déjà pour vous inviter moi dans l'émission là pour nous parler avec Pep en nous, de saluer. Et je remercie tout le monde qui vive ici et qui soutient le travail là, puisqu'il y a le monde qui suit la rubrique comme on a fait à la télé, à ce canal 10 le lundi. C'est 12 minutes, hein, mais 12 minutes au cas pour entendre analyser en mots, en expressions, en tradition. Et en remercie vous parce que ce travail là, ça aussi, faut vous savoir, il va faire tout le monde plaisir. Et soutien à votre fondamental, encore dis autres, merci parce que vous soutenez moi. Et ce soutien là, ce qu'à bon moi là, et bien, quand il y a un dit dans moi, c'est ça qui est bon moi, il faut continuer le combat là. Mais voilà, merci à Jean-Luc Duval qui était l'invité ce soir sur RCK Caribbean King, qui parlait en quelques mots créoles de savoir qui côté nous sortit et qui côté que nous vient attirer, mais quand même. C'est Nègre nouillé, et Nègre qui a toujours été Nègre, et pas être fier,
qu'est nous tenait. Ça nous y est parce que nous n'y valait. Donc, comme si la période de Noël, nous, en plein mois de novembre, c'est à préparer tradition à pays là aussi, créole, culture à chanter Noël. Donc, nous avons fini mission là, et bien, anti Noël aux Antilles. Oui. Joseph, mon cher fidèle. Ça dommage parce qu'on t'a expliqué aux autres en l'obitaire parce que c'est une tradition à l'Égypte, ça. Ouais, donc, dans mes appels. Donc, nous avons dit oui. Oui, Pointe-Bois, là, tout ça, ça n'est pas symbolique. Yes, moi, j'ai là, nous avons mangé à Noël, là, le 25, là, ça n'est pas symbolique. Il n'est pas symbolique, allez. Ouais. Ok, merci à toi sur le plateau d'RCK Caribe. Bien, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord. À la prochaine. Voilà, c'était Jean-Luc Duval qui était l'invité ce soir, qui a parlé créole, tout bail, tout bidin. Ben, Francisco vous dit, on se retrouve tout à l'heure avec la radio RRDM depuis la Martinique, dans l'émission Compas d'une nouvelle génération avec Maxo de la radio RRDM. Merci mesdames, messieurs, on se retrouve tout à l'heure sur RCK, tous ceux et celles qui m'ont suivi, avec Jean-Luc Duval, parler de créole. Et nous pas fin pour comprendre que là c'est en nous. Ça qui est tard, c'est tard. Ça qui n'est pas tard, peut que jamais tard. Mais c'est en nous, créole là. Respectez. Et comme je dis, l'émission se termine sur le Facebook Live. On va faire la reconnexion dans quelques instants à tous ceux et celles qui m'ont suivi et suivi Jean-Luc Duval pour son émission ce soir avec moi. Créole sorti depuis l'Égypte. Tu reconnais ça, c'est non, nous. Alors, on va reprendre tout à l'heure, mesdames, messieurs. Excellente soirée à vous tous. Le Facebook Live se termine à l'instant même. Merci à tous ceux et celles qui étaient connectés. J'ai pas pu discuter avec eux, leur envoyer un petit coucou et voilà. Mais dès que vous êtes connectés, vous savez éventuellement que RCK, c'est votre radio qui est même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mesdames, messieurs.